prochain invité, lui, collectionne les tubes avec son groupe. Un groupe qui a vendu des millions d'albums à travers le monde. Un groupe qui arrive d'Europe, qui s'en va bientôt en Australie. Groupe très, 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 très occupé. Mais lui a trouvé un peu de temps pour venir nous rendre visite à Sainte-Catherine ce soir. Sébastien de Simple Plan vient mettre du rock sur mon croco! Ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Prends place, c'est wow. Ça, crocodile. Non, mais beau ici, je l'aime ton show. C'est beau, hein? Déjà ça. On est bien dans l'environnement, dans très mon décor. À l'aise, très à l'aise. Allô, Sébastien. Comment ça va? Ça va bien. J'imagine que toi, ça va très bien parce qu'il se passe beaucoup de choses pour vous. Les jeunes vous aiment, OK? Simple Plan, c'est clair. Les jeunes vous aiment et vous aimez les jeunes parce que vous avez créé une fondation pour aider les jeunes en difficulté. Oui. Fondation aussi qui met la musique de l'avant, genre, ça va pas bien dans ta vie. Fais de la musique ou crée pour que ça aille mieux. C'est exactement, ça? Oui, ben c'est ça. C'est évidemment l'idée de la fondation est venue oui. Là, après les spectacles. Puis on rencontrait des jeunes, des oui. Témoignages assez touchants des fois. Votre musique m'aide beaucoup. Ou même à l'extrême, je ne serais pas ici si ce n'était pas de vos albums. Des oui. Choses comme ça, c'est assez intense à entendre. On voulait faire la fondation pour amener ça un pas plus loin, aller plus loin que la musique. Puis dans le fond, c'est ça, les buts de la fondation, c'est aider les jeunes troubles sociaux, les jeunes malades ou bien oui. Promouvoir la musique justement. Oui. Comme une passion, parce que c'est sûr que nous, on a fait un peu moins de mauvais coups, parce qu'on était dans la cage. Je me demandais si la musique t'avait sauvé en quelque sorte, t'avait aidé à être une meilleure personne, un meilleur gars. Ben j'imagine, j'ose oui. Espérer. C'est, ben, c'est sûr que ça, en tant qu'ado, là, on faisait pas les bombes dans les parcs, on jouait de la guitare dans la cave, bien fort, c'est sûr, mais c'est certain que ça nous a aidé, nous autres, alors on veut juste que ce soit le sport pour d'autres gens, les oui. Arts, différentes façons, ou la musique, ou justement la musique. Comme nous. Tant que tu trouves une passion, je pense que c'est très important. Mais vous trouvez le temps de vous engager justement socialement, de donner du temps à des organismes. Il y a votre fondation, mais il y a aussi la nouvelle campagne de Centraide. L'organisme Centraide a lancé une campagne où des artistes ont accepté de poser nus, oui. Dont les gars de Simple Plan. Dont les gars de Simple Comment Plan, Comment vous avez trouvé oui. Ça? Comment vous avez vécu ça? Bien, c'est drôle parce que Centraide nous a approchés puis ils nous ont parlé de la cause et tout ça, puis on trouvait ça très bien. On voit la photo ça, en ce moment, oui. moi, ils n'ont pas fait de Photoshop sur moi. Hein, non, ils n'ont pas touché, d'accord. Pas mais puis là, on s'est dit, ah, photo nue, c'est, je ne sais pas, c'est oui. Notre genre. Puis là, on a ouvert notre album, puis il y en a une photo nue dans l'album. On a juste une planche de surf qui oui. Nous cache un peu. On s'est dit, pourquoi pas le refaire, évidemment. Là, c'est sûr qu'on est un peu moins caché dans celle-là. Oui. Mais regarde, évidemment, nous, on c'est pour la cause. C'était pour une bonne cause. Ben oui, c'est sûr. On se met tout pour la cause. Ben non? Oui, quand même. C'est notre genre. C'est notre genre. C'est votre genre, ouais. Effectivement. Et là, le 20 septembre, vous allez vivre un grand moment hein, oui. Avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Vous allez jouer avec eux. Juste au bout de la rue, ici. Oui, juste là. C'est assez... Je vois ta face, là. C'est énorme. C'est stressant, oui. C'est tout en même temps, en fait. C'est énorme, vraiment. Ça fait presque un an qu'on en parle, nous avons la communication avec l'OSM. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout ça. Simple Plan, version symphonique, ça doit être... Je dois te dire, là, on a fini de travailler sur les arrangements. Dans le fond, on n'a même pas répété encore. Là, mais c'est des professionnels, oui. Aussi. Ils ont besoin d'un peu moins de pratique, c'est oui. ça. Mais regarde, on a revisité certaines chansons qui sont complètement différentes. Des fois, c'est l'orchestre qui... complémente un peu. Des fois, le band complètement arrête de jouer pendant un moment, puis là, c'est l'orchestre qui embarque, puis ça, c'est vraiment un mariage entre les deux entités. C'est... en fait, je suis un petit peu fâché de ne pas pouvoir être dans la salle puis de le regarder, et ce spectacle-là. Vivre. Parce que c'est sûr que c'est super spécial. On est tellement contents de faire ça. C'est un bel événement pour la Fondation, mais aussi, c'est un petit peu un guilty pleasure. Ben oui, ben c'est ça. Ça va être vraiment une belle expérience, très intense pour vous. Sébastien, tout à l'heure, on va faire une entrevue, les bons plans de Simple Plan, si tu le veux bien. Ben oui. Mais pour l'instant...